Tout de suite, magazine. La RDC a une nouvelle loi sur la presse. Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'exercice de ce travail, dans la perception du journaliste, du journalisme et des médias au pays? Nous commençons une série quand même d'émissions visant à sensibiliser et les journalistes et les médias. Bienvenue dans Nous de la presse qui reçoit aujourd'hui le président de l'Association des médias en ligne et patron de 7 sur 7, un média en ligne également, Israël Moutala. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Depuis le temps que je cours après vous pour avoir cette émission. Non, tout dépendait de votre disponibilité. Je courais quand même après vous, pas évident quand même de vous mettre la main dessus. Non, vous avez un agenda hyper chargé, le mien l'est moins que le vôtre, mais bon, aujourd'hui... C'est aussi chargé, hein. Mais pas aussi chargé que le vôtre. Non, mais là, parce que déjà, il fallait qu'on parle des médias en ligne. Et oui. Puis, il y a cette loi sur la presse. On se dit, mais tiens, on commence par cette loi sur la presse parce que les médias en ligne sont également intéressés. Et d'ailleurs, en partie, on dit que ça a été le fait de l'existence des médias en ligne. On a été obligé, par exemple, d'avoir cette nouvelle loi sur la presse. Entre autres, en tout cas, nous avons poussé en tant que médias d'information en ligne à ce que nous ayons un cadre normatif assez exhaustif qui tienne compte de notre spécificité. Donc cette loi tient compte de l'évolution technologique qu'il y a eu entre-temps, parce que l'ancienne loi, la loi de 96, ne faisait presque pas cas de médias numériques. Or, il y a eu une évolution technologique entre-temps dont n'avait pas tenu compte l'ancienne loi. Donc la loi de 2023 est une loi justement qui a pris en compte le cahier des charges des médias d'information en ligne. Et donc nous saluons cette évolution parce que dans la nouvelle loi, il y a tout un chapitre et avec une dizaine d'articles qui sont consacrés à la presse en ligne. Dans l'ancienne loi, ça veut dire que pour le moment, il n'y avait que la loi organique sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui faisait allusion, il y avait des bribes de passage qui faisaient allusion aux médias d'information en ligne. Mais cette fois-ci, vous avez vraiment tout un chapitre avec des articles assez élaborés sur ce qu'on entend par médias en ligne, les conditions d'exercice, ainsi de suite. Donc là, vraiment, vous avez un corpus juridique qui tiennent compte de l'évolution de la presse grâce aux technologies de l'information et de la communication. Alors, on commence à décortiquer quand même cette loi. J'espère qu'on ne va pas parler de toute la loi. Apparemment, combien d'articles? La loi a à peu près, je crois, une cinquantaine d'articles. 53, je crois. Articles, mais on commence d'abord par cette loi. Elle est là. Enfin, l'une des résolutions des États généraux de la presse. L'une des réformes de Mouyaya qui vient d'aboutir? Absolument. On peut saluer la volonté politique parce que s'il n'y a pas de volonté politique, c'est difficile de faire aboutir un tel projet. Et là, nous saluons justement le leadership du ministre Mouyaya. Lorsqu'il avait été nommé par le président de la République à ce poste, ministre de la Communication et des Médias, il avait dit que ça serait un ministère d'écoute, qui serait à l'écoute de tout le monde. Et nous, on a toujours souffert en tant que médias d'information numérique de l'absence d'un cadre normatif qui tienne compte de notre secteur. Et donc, lors de notre première rencontre, on lui avait fait part d'un cahier des charges et parmi nos revendications, c'était l'évolution du cadre normatif pour tenir compte du foisonnement de médias numériques, des médias digitaux. Et donc là, c'est un premier pas grâce à lui, grâce aux États généraux, grâce aux médias d'information en ligne, grâce aussi au ténor de la presse, aussi bien les autres associations professionnelles comme la NEAP. On voit le vieux qui babille chez toi, mais l'ANECO. Il y a GED avec Chivis, qui les bat. Bref, Willy Kalinga et Chantal Kalimbo, le président Tito, à qui
qui a une place particulière pour nous parce que c'est la première personne qui a cru en nous en tant que média d'information numérique. C'est lui qui nous a permis d'organiser la première table ronde, le CESA qui était là, le CESA qui nous a porté, et il a toujours été attentif. Donc vous avez quand même un certain nombre de personnalités qui ont concouru à l'éclosion des médias numériques, à leur à la confection de ce cadre normatif, et je leur sais absolument gré pour leur apport dans ce que nous connaissons comme évolution positive de notre secteur. On va parler de ces évolutions, en tout cas s'il y en a positives, certains diront négatives. Rapidement, on va essayer de parler de ça, mais on se dit même. Patrick, mais elle peut se dire, ça y est, j'ai fait ma part, c'est fini, en fait. J'ai marqué l'histoire pendant longtemps. Ouais. Avec cette loi qui est une loi Mouyaya, il ne faut pas qu'on ait honte de le dire. C'est la loi Mouyaya, quand même. Donc, du coup, elle peut se dire, je peux dormir calmement sur mes deux oreilles, calmement, et puis voilà, j'ai fait ma part. C'est une grande réussite pour lui. Loi Mouyaya... Oui, pourquoi? Parce que la volonté politique, justement, était là. S'il n'y avait pas l'implication du ministre, on n'aurait pas eu cette loi. Nous avons une chance d'avoir Mouyaya à la tête du ministère de la Communication et des Médias parce que c'est un journaliste. Journaliste un jour, journaliste toujours. Et donc, nous le considérons comme un des nôtres, malgré qu'il soit au gouvernement. Nous le considérons toujours comme un des nôtres. Et il connaît les problèmes de notre métier, il connaît les spécificités de notre profession. Et donc, il a vraiment mis tous les paquets pour que nous allions d'abord aux États généraux pour poser le diagnostic, ensuite pour formuler une thérapie, et après, enfin, pour que toutes nos recommandations soient coulées sous forme d'une loi, et il était là lors des négociations, il a poussé. Il faut dire que c'est passé sous une forme une loi de l'habilitation. Absolument. La procédure, elle n'a pas été aisée. Il fallait avoir ce courage politique, faut qu'on se le dise. Un projet de loi sous forme d'habilitation, puis ramené au niveau du Parlement. Absolument. Donc il a porté d'abord ce projet au niveau du gouvernement, et ensuite du Parlement, de l'Assemblée nationale, il a obtenu l'autorisation de légiférer, parce que pour légiférer, c'est une compétence qui appartient au Parlement. Et donc, le Parlement était en congé, était en vacances parlementaires, et il a obtenu que il puisse exercer cette prérogative du Parlement, que le gouvernement l'exerce. C'est comme ça que l'exécutif a exercé un pouvoir qui appartenait à l'Assemblée nationale. Il fallait avoir les bons mots, il fallait jouer sur le timing, parce Absolument. Que... En tout cas, selon certaines informations recueillies ça et là, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. On ne pensait pas qu'on pouvait avoir une nouvelle loi aussitôt, parce que voilà, une bonne partie quand même du gouvernement n'était pas forcément d'accord avec cette nouvelle loi, mais il fallait réussir quand même à faire fléchir le gouvernement par rapport à ça. Oui, mais bon, mais regardons-nous en face. Ça veut dire que notre métier fait face à beaucoup de dérives. Ça veut dire que la qualité de la production médiatique, elle baisse. Il y a beaucoup de... Mais tout baisse dans ce pays. On est tenté de vous répondre ainsi. Hein. Qu'est-ce qui monte dans ce pays? Tout baisse. Qualité des politiques baisse, diront certains, intellectuels. Justement, parfaitement, je suis parfaitement d'accord que... Mais justement, nous, on ne doit pas accompagner ce mouvement de déclin. Nous sommes la presse, nous sommes des éveilleurs de conscience, nous sommes des chiens de garde de la démocratie. Mais nous sommes également à l'image du pays. Absolument, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en demande un peu trop à la presse alors Non, parce que nous au jouons. Niveau du pays, rien ne va. Nous jouons un rôle important. C'est à nous justement de faire en sorte que les choses aillent dans ce pays. Ça veut dire c'est à nous justement parce que, à travers nos médias, nous véhiculons des idées, des valeurs positives pour que la société puisse être tirée vers le haut. Et donc nous avons une responsabilité sociétale que d'autres corps n'ont pas. Parce que c'est à nous de dire que voilà, monsieur du gouvernement, vous ne prenez pas les bonnes décisions pour telle raison. Messieurs les membres du gouvernement, pour que notre pays aille de l'avant, voilà les réformes qu'il faut mener. Monsieur du gouvernement, pour combattre la corruption, il faut modifier ceci, il faut cela. Monsieur du gouvernement, soyez exemplaire. Donc c'est à nous justement... à qui revient justement de donner de l'information, de faire des analyses, de faire des commentaires pour que les citoyens aient les armes
pour faire un bon choix, parce que nous sommes dans un régime démocratique. Et qui dit régime démocratique dit légitimité par les urnes. Et donc, on ne peut pas demander aux citoyens de faire de bons choix s'ils n'ont pas la bonne information. Donc, le système médiatique est au cœur de la démocratie. Donc, on ne peut pas avoir une démocratie vigoureuse si, entre-temps, les citoyens n'ont pas la bonne information. Donc, c'est capital. Si vous voulez avoir une démocratie au rabais, donc priver les citoyens de la bonne information, soyez complaisants envers les dirigeants, et c'est tout ça. Donc, il faut absolument que nous soyons en mesure de critiquer de manière sévère, de manière objective, de manière étayée, avec des preuves pour que la société marche. Donc il faudrait que nous arrivions à un moment où nos publications médiatiques, nos contenus éditoriaux puissent créer l'émoi dans la société, créer la prise de conscience, susciter de l'action. Et donc c'est ça notre rôle, et c'est ce rôle est capital. Et vous pensez absolument qu'on n'arrive pas à le faire carrément, quoi. Ben, on n'arrive pas à le faire correctement. Non, on le fait tellement mal. On n'arrive pas à le faire correctement pour plusieurs raisons, et ce sont des questions qui avaient été soulevées. La question d'abord de l'accès à notre profession, comment on y accède, comment on devient journaliste. Et là, la loi y apporte des réponses par rapport à ça. La loi a apporté de réponses. La loi a rejoint à peu près ce que nous disions en tant que média, en tant qu'association de médias d'information en ligne. Nous, pour nous, c'était que avant qu'un média n'adhère à notre association, il doit prendre l'engagement solennel de respecter le code d'éthique et de déontologie. C'est notre Bible. Et nous, c'est une des conditions cardinales, sine qua non, pour adhérer à notre association. Donc c'est un préalable avec lequel on ne peut pas transiger. Et lorsque vous serez en faute, on va vous opposer justement l'engagement solennel que vous avez pris de respecter le code d'éthique et de déontologie. Donc ce code, il énumère les fautes professionnelles, les fautes déontologiques. Et donc, et chaque fois qu'un journaliste sera pris à défaut par rapport à nos valeurs, on va seulement lui opposer. Et donc, dans cette loi, cette fois-ci, il est dit justement que, avant de devenir journaliste, il faut absolument prendre l'engagement de respecter le code d'éthique et des droits. Être licencié. Être, voilà. Être licencié en journalisme, en communication ou dans un domaine équivalent. Ou autre, faire une année de stage et deux ans si on n'a pas le diplôme de communication ou en journalisme, ainsi de suite. Et donc, il y a tout ce processus. Mais on a renforcé les conditions d'accès à la profession. Parce que ne devient pas journaliste qui veut. Il faut absolument renforcer les conditions d'accès à notre métier. Il faut protéger notre belle profession. Ne devient pas médecin qui veut. Ne devient pas avocat qui veut. Ne devient pas pharmacien qui veut. Pourquoi ferions-nous de notre profession mais là, ça devient maintenant au niveau de la régulation et de l'autorégulation. On va en parler, mais pour parler quand même de quelque... On ne va pas parler de tous les articles contenus dans cette loi, mais la loi également, je crois en lisant, j'ai un peu lu la loi, exige par exemple qu'un journaliste qui... Avant de poursuivre un journaliste, il faut donner votre droit de réponse à l'endroit des journalistes. C'est-à-dire, ça renforce quand même la liberté de la presse ici. C'est une évolution positive. Et là, justement, c'est pas risqué comme c'est ça. Une évolution positive. Voilà pourquoi est-ce que il n'y a pas de droit sans devoir. En principe, le combat cher à Chivis, le patron de GED, c'est d'arriver à une dépénalisation totale de délits de presse. Et là, on a franchi une étape. Donc, on est à mi-parcours. Le temps pour nous d'assainir la profession, on se dit ceci, voilà. La loi pose un principe. Avant de poursuivre un journaliste, vous faites d'abord part de votre droit de réponse. Et donc, si ce journaliste refuse d'accéder à votre droit de réponse, c'est alors qu'on peut enclencher la machine judiciaire. Et donc, je pense que c'est un bon principe. C'est aussi un peu un principe déjà qui est contenu dans la loi organique du CESAC. Et ça a encore été repris et renforcé dans la nouvelle loi. C'est une très, très bonne initiative. C'est un des points forts de cette nouvelle loi. Mais cette nouvelle loi appelle de nous quoi ? Appelle de nous, justement, beaucoup de responsabilités. C'est alors que nos instances d'autorégulation doivent jouer pleinement leur rôle.
Ça veut dire que avant d'admettre quelqu'un dans la profession, parce que les engagements solennels de respect du code d'éthique et de déontologie se feront devant l'instance d'autorégulation. On n'a pas cité l'UNPC. L'UNPC, mais on va en parler. Je vais revenir. Je commence d'abord par... en lisant la loi, monsieur Moutala, je me suis dit, mais tiens, c'est le CESA qui s'en sort un peu très renforcé. Ce qui est bien pour moi, je me dis, j'ai toujours demandé ça, moi en tant que journaliste, j'ai toujours voulu, à ce qu'on ait un CESAC fort, et c'est ce qui est contenu dans la loi, avec tellement de prérogatives, au détriment par exemple du ministère de la Communication et Médias, je sais qu'on a peut-être déjà eu à parler de ça, je me dis, mais actuellement, avec cette loi, à quoi nous sert le ministère de la Communication et Médias? D'abord, je suis aussi satisfait de l'évolution de... Est-ce que cette loi vient renforcer le CESAC? Le CESAC, d'abord, c'est une structure cardinale pour la régulation de notre profession. Donc, le CESAC est créé par une loi organique. C'est une loi organique et supérieure à une loi ordinaire qui est la loi sur la presse. Et donc, c'est une très très bonne évolution aussi. Alors, la vraie question, c'est de donner au CESAC les moyens de sa politique. Donc ça ne sert à rien de dire que voilà, telle chose doit être faite par le CESAC, de telle manière, et ainsi de suite. Mais il faut donner au CESAC les moyens de sa politique. Le CESAC a des personnalités de haute facture. Je pense à Chantal Kanimbo qui est là depuis longtemps. Voilà, je pense au prof Ekambo. Bon, Tito qui était le président, qui n'est plus, et tout ça. Mais le problème, c'est que le CESAC a toujours souffert du manque de moyens. Et donc là, aujourd'hui, vous avez une nouvelle équipe conduite par... Christian Bossembé, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'au regard de prérogatives, vous avez lu la loi, moi je l'ai lu un peu, au regard de prérogatives qui revient maintenant de droit, vraiment de manière légitime et légale au CESAC, est-ce que le CESAC a les moyens humains qu'il faut? Vous avez parlé des personnalités de haute facture. Oui, Chantal Kanimbo est membre du bureau. Donc on peut dire qu'il a les moyens humains. Les moyens humains, oui. Bon, ça veut dire que les tous, moyens intellectuels. Chantal Kanimbo, je parle des femmes parce que d'abord je parle des femmes. Mimi Ngumba. Qui d'autre? Adou Louyeye. Bon, Adou, Kester, Adou, bon, elle était journaliste. Je ne connais pas personnellement. Je parlerai pour les personnes que je connais personnellement. Donc voilà, ça c'est du côté féminin. Donc voilà, du côté des... voilà, Christian Bossembé, que je connais... Bolisson. Que je connais très bien. Bruno Bolisson, qui a évolué à la RTGA pendant de longues années. Oscar Kabamba de la RTNC. Oscar Kabamba à la RTNC. C'est des personnes avec lesquelles j'ai déjà discuté des questions. Serge Kabongo. Serge Kabongo. Et Serge Kabongo, ça sera intéressant dans ce rôle-là, parce que Serge Kabongo a pendant... de longues années conduit une émission politique de débat. C'est des émissions très difficiles où il faut avoir un bon modérateur pour recadrer, pour relancer et tout ça, parce que c'est des émissions en direct, c'est des émissions sur des sujets d'actualité politique brûlante, et par rapport à ce type d'émission, il faut absolument que l'animateur soit rodé, ait de l'expérience, connaisse les droits des uns et des autres. Là, on voit actuellement, voilà. Faut pas qu'on se... on voit actuellement certains animateurs laisser leurs invités débiter des âneries, allez, on va le dire, débiter des âneries et l'animateur ne réagit pas, débite des insultes, vous réagissez absolument, pas, vous le laissez parler. Absolument. Non mais c'est ça aussi le problème. Justement, c'est ça le problème justement avec la profession justement. Voilà pourquoi est-ce que dans la loi, il y a une personnalité clé à qui confie-t-on la direction de programme? À qui confie-t-on la direction de publication? Voilà les deux personnes clés dans une chaîne. Des gens qui parlent de la vie privée des gens, absolument, des autres, des autorités, que... sans broncher, sans être réprimandés. Pas. On parlait des moyens, mais on a senti quand même le CESAC qui, des silences assourdissants de CESAC, est-ce que c'est toujours par manque de moyens ou manque de volonté, quand on sait que maintenant, il existe beaucoup de moyens pour de signalement à notre niveau. Justement, mais d'abord, ça veut dire que c'est ça le problème. Donc, il faut que le CESAC puisse protocoler un système de signalement. Ça veut dire que
Vous avez, je suis en train de faire le recensement des médias numériques. Nous en avons à peu près 200. Le mien est là parmi les 200. Oui, il y a Donc, on est à peu près 200 médias numériques. Prenons la moyenne de 5 productions, 5 de pêche par jour, 5 émissions, voilà. Vous aurez à peu près 1000 de pêche à lire, à scruter. C'est pas possible. Pour les chaînes qui sont sur la TNT, vous avez vu le rapport du ministère de la communication et des médias, il y en a à peu près 600. Chaînes de télévision, à peu près 600. Donc quand vous prenez 600 chaînes de télé, vous prenez 200 médias numériques, vous êtes à 800. Les radios communautaires, vous en avez une centaine qui ne mettent pas ici, d'autres en province, ainsi de suite, dans les coins les plus reculés. Il y en a aussi une centaine. Vous avez les tabloïds, la presse papier. Le nombre est en train de baisser. Donc, vous voyez, nous sommes à peu près à 1 millier d'organes de presse. S'il faut monitorer tout ça, vous voyez le travail que ça coûte? Ça veut dire, est-ce qu'on a équipé le CESAC pour monitorer tout ça? Et voilà, c'est ce dispositif-là. Alors, ça veut dire, comme le CESAC n'aura pas les moyens humains et matériels de tout monitorer, il faut maintenant faire en sorte que il y ait un système de signalement. Quand on voit une émission qui dérape, il faut maintenant que les gens signalent et que, une fois que on signale et que la procédure soit déclenchée. Il y a une clameur publique, on signale, voilà, telle émission qui vient de passer à telle heure avec tel animateur sur telle chaîne, à telle heure, voilà, voilà. Il faut maintenant qu'il y ait un système de signalement, comme en France. En France, il y a un système de signalement pour les atteintes à l'ordre public, à la loi, aux bonnes mœurs, les atteintes au droit d'image, à la vie privée, aux droits des enfants, bref, tout un corpus de délits de presse ou des délits de droit commun, parce que le journaliste peut connaître maintenant de délits de presse et de délits aussi de droit commun. Donc tout ça, on peut faire une procédure pour signalement. Mais il faut quand même que nous fassions la part de choses aussi. Il y a beaucoup d'amalgame. Un journaliste qui a un problème à la cité avec son bailleur qui se donne de coups, c'est pas un délit de presse. On ne crie pas à la liberté. Il ne faut pas mobiliser un journaliste qui vole dans un bistrot, dans un avion, qui subtilise des objets et qui amène en justice, c'est des délits de droit commun. On n'a pas besoin d'alerter la corporation pour se solidariser par rapport à ça. Donc, il faudra absolument que nous nous mettions d'accord d'abord qu'il s'agisse de délits de presse. Et donc, et ici, on a dit qu'en cas de délit de presse, absolument, il y a une procédure à suivre et le CESAC est là pour ça. Donc, nous avons des droits. Mais nous avons aussi des devoirs. Et l'État a aussi des devoirs. Et le premier devoir de l'État, c'est de s'assurer à sorte qu'il y ait un personnel humain de qualité au CESAC, que l'État donne au CESAC les moyens de se recycler, de se former, et ainsi de suite, de sensibiliser par rapport à la loi, de s'implanter. J'étais à Colosi, par exemple, il n'y a pas de CESAC là-bas, parce que dans l'ancienne configuration de la loi organique, c'était 11 provinces. Donc les antennes du CESAC sont dans 11 provinces. Et même là, ils ne sont pas dans toutes les provinces. Or, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Mais il faut des antennes du CESAC dans chacune des nouvelles provinces. Il faudrait donc monitorer, parce que le délit de presse ou bien les fautes déontologiques ou professionnelles se commettent partout. Ouais. En province aussi, il y a des politiciens qui s'affrontent via médias interposés. À l'Équateur, au Kivu, dans l'ancien Grand Katanga, ainsi de suite. Donc c'est un gros travail. Mais tout ce travail-là n'aura de sens que si aussi la justice joue son rôle. Moi, je ne mâche pas mes mots. Donc voilà, il faudrait absolument que nous ayons un dispositif aussi, que la justice soit là. Ça veut dire que pour les récidivistes, pour tout ça, il faut absolument à un moment que la justice fasse son travail. Liberté d'expression, liberté de presse ne veut pas dire libertinage. Dire libertinage, donc on espère, récemment, le président du CESAC disait qu'il avait besoin de 17 millions de dollars pour essayer de mener à bien son programme. C'est pas trop cher, c'est pas trop demandé au regard justement des missions et des prérogatives qui lui sont assignées. Il y a notamment... Bah, il n'a pas dit 17 millions par an. Par an, non, pas par an. Il est là pour 4 ans, je pense, pour le temps, par exemple, de son mandat. C'est un projet à court terme, déjà parce qu'il y a des élections qui se peaufinent à l'horizon.
C'est pas cher à demander parce que je veux qu'il y ait des gens qui voulaient polémiquer autour de ça quand même. Ben, moi, je peux pas trop me prononcer, savoir si c'est beaucoup ou si c'est peu parce que je n'ai pas lu ce à quoi sera destiné ces 17 millions. Est-ce que c'est pour acquérir du matériel? Est-ce c'est pour faire de la formation? Est-ce c'est pour, voilà, c'est pour implanter le CESAC? Il faut que je vois le plan en détail pour me prononcer là-dessus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au CESAC et que, moi, j'ai vu le CESAC privé d'électricité pendant 2 mois. J'ai vu le CESAC privé d'eau. Enfin, j'ai vu que le CESAC était incapable de payer son loyer à une certaine époque. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas attendre grand-chose du CESAC. Et donc, mais sur le CESAC aussi, en tant que média de formation en ligne, nous militons aussi pour une évolution de sa composition. La composition du CESAC tient compte de sous-secteurs médiatiques, ça veut dire que l'audiovisuel, la presse écrite, notamment... Les radios communautaires, il manque une sous-composante des médias numériques qui sont aujourd'hui l'un des deux pans les plus dynamiques de notre profession. Et je pense que les spécificités, nous devons aussi être là pour essayer d'expliquer, de comprendre. Et donc c'est une évolution aussi dont on doit tenir compte. On a parlé du CESAC, on espère qui va recevoir tous les moyens dont il a besoin pour essayer de mener à bien ses différentes actions. Ça, c'est dans la régulation. Je posais tout à l'heure la question de savoir est-ce qu'on n'a pas dépouillé le ministère de communication et médias. On se dit, avec le CESAC, à quoi bon d'avoir un ministère de médias encore dans notre pays? Oui, le ministère de médias va encore exister. Ça veut dire que, mais bon, il va plus maintenant s'apesantir sur des questions de porte-parole là. Porte-parole du gouvernement, mieux expliquer les réformes du gouvernement, mieux expliquer la vision du gouvernement, voilà, répondre aux inquiétudes, aux attentes de la population. Donc il aura maintenant eu un rôle plus pédagogique de l'action gouvernementale, plus explicatif, ainsi de suite. Donc essayer de faire de la pédagogie, pourquoi on fait telle réforme, à quand les fruits de telle réforme, quels fruits on attend, pourquoi les tels tares subsistent, voilà, qu'est-ce qu'on envisage par rapport à tel problème, bref, les problèmes de sécurité, les problèmes de souveraineté, ainsi de suite. Mais, cela dit, le ministère il va lui rester aussi des questions de réglementation. Les questions de réglementation. Il assure le respect de la loi dans le secteur de la communication et des médias. Comment il le fait alors qu'on sait que le CESAC est là et il peut à tout moment recourir à la justice? Oui, le CESAC est là, ça veut dire que le CESAC vous donne les conditions, vous dit voilà, pour exercer en République démocratique du Congo comme chaîne audiovisuelle, vous devez remplir telle ou telle autre condition. Vous remplissez le cahier des charges du CESAC, vous déposez votre constat, il vous donne un avis de conformité. Il a dit, voilà, vous avez respecté tout ça. Et une fois que vous avez ça, maintenant, vous allez maintenant au secrétariat, vous dites, voilà, l'organe que l'État a créé, et vous avez maintenant votre récépissé au niveau de l'État, au niveau de la réglementation, au niveau du ministère. Ben, c'est un travail qui peut être fait par le secrétariat général. Je suis parfaitement d'accord. Seulement ça, son travail, je me dis, je suis parfaitement d'accord. Mais l'administration, ou moi, je ne sais pas, une autre structure. Je suis parfaitement d'accord que c'est pas indispensable. Mais aujourd'hui, telles que les choses sont organisées, aujourd'hui, la façon dont les choses sont organisées, il y reste encore un résidu de compétences en matière de réglementation. Il reste encore un résidu de compétences aussi en matière de politique communicationnelle, notre souveraineté. Il appartient quand même au gouvernement de la République, aux gens qui ont le mandat des Congolais, de dire quel produit médiatique doit-on consommer et pour quel objectif? Pourquoi doit-on, nous, dans notre programme, consommer du cinéma français, du cinéma nigérian, du cinéma indien, du cinéma américain? Au nom de la mondialisation, vous pouvez pas. Non, mais pourquoi au nom de la mondialisation, nous, on ne peut pas émettre à Paris. Mais par là, exemple. C'est notre politique à nous, c'est une politique déterminée. On subit, on va être dans l'action. Ah non, justement, c'est ça la question. Ça veut dire que c'est la loi de la réciprocité. Voilà. Donc, ça veut dire que non, on n'applique pas. Non, ça dépend. Est-ce que les avantages que nous accordons aux médias étrangers peuvent nous être accordés
dans leurs pays respectifs. C'est ça la question. Mais quand on a vu tout à l'heure, on a vu récemment avec une chaîne rwandaise, qu'on ne sait ça qu'à lever l'option de couper une chaîne rwandaise, ça a été fait. Oui, ça c'est. Donc ça, on n'a pas forcément. Là c'est facile pour une chaîne rwandaise qui est portée dans un bouquet. Là c'est facile. Là c'est facile. Mais maintenant dites-vous, ça veut dire est-ce que les facilités qu'a RFI ici, nous on peut aussi avoir les mêmes facilités. Mais le CSA peut gérer tout ça. Non, on regarde la loi, pas nécessairement le ministère. Ça, je suis en train de dire, ça veut dire que c'est ça le problème. Et donc, par rapport à ça, je pense que la question de la souveraineté, qu'est-ce qu'on consomme comme produit médiatique? Pourquoi on consomme? Et parce que ce que nous consommons influence notre façon de penser, influence notre façon d'agir. Et donc, de quels citoyens avons besoin? De quels produits culturels veut-on faire consommer à nos citoyens? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un CESAC fort, d'abord. Mais nous avons aussi que le gouvernement puisse élaborer une politique claire en matière de souveraineté communicationnelle. Voyez-vous même la question de TikTok qui divise le monde occidental aujourd'hui? La version de TikTok que nous avons en Occident et en Afrique n'est pas la même que celle qui est en Chine. Parce que les Chinois sont conscients que... il y a des effets distrayants, il y a des effets qui peuvent démobiliser les gens et donc ils ont réglé les algorithmes pour leur société. Et donc c'est cette question de souveraineté aussi des produits audiovisuels, des produits médiatiques qui doit être au cœur. Que produisions-nous ici, médiatiquement? Rien. Voilà, on apporte tout de même les productions. Notre culture, voilà pourquoi ce qu'il est dit, même pour les chaînes dites confessionnelles, il faut à peu près 50% de contenu local, éducatif et de développement. Parce qu'ici, quand on dit chaîne des confessionnels, c'est 100% Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, et ça, ça doit s'arrêter. Donc il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se cultiver, il y a un temps pour travailler. Donc c'est tout ça, il faut un État fort. Il faut un CESAC fort pour essayer justement de modeler le paysage médiatique en termes de contenu. Un CESAC fort, un gouvernement fort, vous l'avez dit, on n'a pas cité l'UNPC, mais on a parlé d'une structure d'autorégulation. Nous, actuellement, c'était l'UNPC, mais c'est tout. Ce qui se passe à l'UNPC. Faut pas qu'on se leurre, il est temps qu'on arrête avec cette UNPC. On dira, oh, ouais, mais elle a toujours été une sorte. Ouais, mais ça ne marche pas. Maintenant, là, il y a une loi qui demande à une autorité de régulation qui a du mal à s'auto-réguler. Ouais. On en fait quoi de cette UNPC? L'UNPC joue son avenir. L'UNPC est dans le coma. On essaie de réanimer l'UNPC. Mais c'est qui tout double? Ou ça passe ou ça casse? Et donc je pense que le ministre, dans un souci de consensus, veut accorder encore une chance à l'UNPC de jouer un rôle dans notre système médiatique. Mais ça dépendra justement du congrès extraordinaire qui doit se tenir cette année. À peine, c'était au début d'année. Absolument. Mais avec tout ce qui se passe au sein de cette UNPC. Vous voyez d'abord que ça veut dire que, malgré que l'UNPC est presque en mort cérébrale, voilà, personne s'en plaint. Ça veut dire que cela démontre que l'UNPC n'est plus indispensable. Ça veut dire que l'UNPC a été complaisante, n'a pas bien joué son rôle de régulation, d'autorégulation. L'UNPC n'a pas souligné les fautes déontologiques, n'a pas été impartial, n'a pas été méthodique, n'a pas été transparente, n'a pas été n'a pas fait usage de pédagogie. Et tout ça lui rattrape toutes les fautes, toutes les erreurs commises, rattrape l'UNPC. Donc l'UNPC gagnerait en exemplarité, en prêchant par l'exemple, justement, gagnerait en sanctionnant tous avec équité. Et donc voilà, on connaît la plupart de fautes déontologiques, les diffamations, les imputations dommageables, les droits à la vie, les atteintes à la vie privée des gens et tout ça. Et donc voilà, il y a un travail à faire par rapport à ça. L'UNPC doit être ferme. Et moi, je pense que sanction suprême... Peut-être qu'il est temps de brancher. Oui, mais de la débrancher, de l'enterrer. On va bien tout terminer en piscine. Il est temps d'aller débrancher. C'est UNPC, ça marche plus. Mort cérébrale.
C'est une préconisation radicale, mais elle est très plausible parce que on a suspendu la délivrance de la carte, ça va faire plus d'une année. On délivre plus de cartes. Et donc, il y a un travail que l'UNPC doit faire de se légitimer. Mais sinon, parce que si l'UNPC était performante, la loi allait reprendre énormément que l'autorégulation doit se faire par l'UNPC, tout ça. C'est parce que l'UNPC, aujourd'hui, est en mort cérébrale qu'on l'a zappé. Et ça veut dire qu'une autre structure peut faire ce travail-là. Et ça dépend justement du Congrès. Si le Congrès se termine bien, oui, mais si le Congrès se termine mal, comme les autres congrès de l'UNPC, je pense que les associations professionnelles des médias vont se prononcer pour désavouer l'UNPC. Et voilà, on ne peut pas arrêter la mort de l'UNPC si les sociétaires de l'UNPC ne prennent pas des mesures radical pour changer fondamentalement la donne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en suivant régulièrement cette émission. Je vous dis au revoir à très très bientôt avec un autre invité, certainement un journaliste, un président d'une association de la sphère médiatique ou un patron d'un autre média. Mais en tout cas, prenez soin de vous.